Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui dimanche 17 mars pour découvrir ensemble le salon Tendance et Nature au Parc des Expositions de Reims. Bonjour Hubert. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps, s'il vous plaît? Alors, je ne vais pas vous donner mon nom de famille, si je vais vous le donner, Hubert Fontaine, mais sinon je suis plus connu sous le nom de Hubert le jardinier, donc jardinier tout simplement. Très bien, jardinier. Présent sur le salon Tendance Nature. Tout à fait. En parlant du salon Tendance Nature, est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Eh bien, dans Tendance Nature, vous avez le mot tendance, vous avez une nature, donc c'est tout ce qui concerne la nature, le bien-être, la bonne vie, la bonne chair, parce qu'on parle beaucoup de cuisine aussi, avec des stands qui sont, on y consomme, on peut y acheter beaucoup de choses. C'est vraiment un bon moment, un moment à passer ici, à Tendance Nature, et surtout quand le temps n'est pas encore ici. C'est clair, comme aujourd'hui. Voilà, c'est le rayon de soleil. Très bien. Y a-t-il des animations ce jour? Alors moi, les animations, moi, c'est un petit peu compliqué de donner une animation plus spécifique qu'une autre. Bien sûr. Sinon, si on en donnait une, on va rendre tous les autres jaloux ou jalouses. Donc ça, c'est clair. Non, tout est animation. Parce que tous les exposants sont là, sont des professionnels. Là, actuellement, dans l'interview, on est dans le hall où il y a des plantes. Moi, mon coup de cœur va quand même du côté des plantes. Mais il n'y a pas que ça. Si vous voulez voir des petits personnages aussi, si vous aimez un petit peu les stars de la télé, il y a Jérôme Bonaldi qui est là, de M6, et M6 avec d'autres personnes. C'est peut-être l'occasion aussi de voir un petit peu la gueule qu'ils ont, tous ces gens-là, et de toute leur sympathie. Et moi, je jardine avec Jérôme Bonaldi, on a déjà jardiné ensemble sur la revue Rustica Hebdo. D'accord. Depuis combien de temps vous jardinez? Depuis ma naissance. Depuis que j'ai ouvert les yeux, j'ai compris que la nature était belle. Voilà, franchement, dès le début, j'ai voulu être Saint-Cyrien, mais ça n'a pas duré longtemps. Je suis allé une fois à Saint-Cyrien. Non, j'ai toujours voulu être jardinier. Je suis fils de paysan, mais le jardin m'a toujours passionné et me passionne toujours et de plus en plus. Très bien, super. Mais merci beaucoup et puis une belle continuation. En plus de toutes ces entreprises avec lesquelles nous pouvons retrouver des plantes ou encore des animaux, nous avons également des entreprises spécialisées dans la pierre naturelle. Nous retrouvons Justine Mossiek de l'entreprise JNC. Bonjour Justine. Bonjour Corentin. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise tout simplement? D'accord. Donc alors nous on est spécialiste en pierre naturelle, intérieure et extérieure. Donc on fait du pavage, du dallage, des stabilisateurs de gravillon donc pour les terrasses, les cours, les allées. Les aménagements paysagers également, et en intérieur. Là, on spécialise en ce moment plus sur l'intérieur, donc avec les cuisines, les salles de bain et les salons. Très bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, à part au salon? Vous êtes situé où? Alors, on a notre magasin à Orme-Tinqueux, donc dans la zone commerciale d'Orme, en face de Fabry Meubles et Golf Spirit et Harley Davidson. D'accord. On n'est pas loin. Je vous laisse venir les découvrir donc sur le salon Tendance et Nature ce dimanche. Merci Justine. Au revoir. Merci. Je vous laisse donc venir découvrir ce salon aujourd'hui de 10h à 18h. Je vous souhaite un bon dimanche et vous dis à la semaine prochaine sur Champ TV.